Bonsoir à tous, Cybercafé 2.0. Vous aimez mon t-shirt? On adore. Mortel. Il est radioactif. C'est vrai. Attends, je peux l'enlever si ça vous dérange. Non, hein. Je kiffe. Tout à l'heure, bah oui, David et Maureen ont beaucoup aimé, mais on n'est pas obligé de passer 50 minutes avec ça. D'accord? Ça fait mal au dire. Ni nous deux. Certains sont obligés à te voir. Bah oui, certains sont naturellement brillants, d'autres doivent utiliser l'artifice. D'accord. Alors, en dehors donc des Schman que je vous annonçais tout à l'heure, nous aurons d'autres actualités images et bien sûr des jeux vidéo avec l'ICTS. N'est-ce pas? Oui, bah oui. On ira voir. On va sortir un petit peu du domaine pur des jeux vidéo pour parler d'une boîte qui développe en fait un software qui permet de créer des personnages en 3D. Pour les jeux vidéo. D'accord. Et puis un jeu évidemment Stuntman en fin d'émission, Gilles. C'est ça, un jeu d'une carrière de cascadeur hollywoodien. Donc on va en prendre plein les yeux. Voilà. Et toujours dans les images, on ira voir ce que font les artistes chanteurs qui parfois font des petits Mickey avec Rudy Léonel. Exact. Et micro et pinceau font bon ménage. Je ne sais pas si c'est vraiment de la qualité, mais enfin on verra. On jugera. Hein. On jugera. Bien sûr aussi de la technologie, avec le retour de Paul-Henri Hordonc. Mais oui, avec des choses qu'on ne verra peut-être jamais dans nos poches, mais on va quand même les montrer. Et puis des grosses inventions qui risquent de nous arriver dans les années qui viennent, mais on a vraiment l'impression que c'est du déjà vu. Et toujours dans la technologie, bien on ira à Paris, enfin c'est Brice surtout qui a été à Paris pour Apple Expo, qui d'autre que Brice pouvait y aller pour faire une interview relativement intéressante. Oui, puisque j'ai rencontré Pascal Cagny qui est le vice-président d'Apple Europe. Mais est-ce qu'il a des choses à dire? On verra pendant le reportage. En tout cas, j'ai essayé de lui faire cracher le morceau, mais ce n'est pas évident. D'accord. Et puis aussi une nouvelle séquence, ce sera une séquence droit du net où on verra tout à l'heure avec Jacques Follon si votre employeur a le droit d'espionner l'usage que vous faites du net ou pas quand vous êtes au boulot. Voilà. Alors, technologie, ECTS. À l'ECTS cette année, donc, on a rencontré les gens de Life Mode Interactive, qui est une société qui développe, donc, comme je le disais tout à l'heure, des softwares pour, enfin, un software en particulier qui s'appelle Live Studio Head pour créer et modéliser des visages de personnages en 3D. Alors, l'avantage, c'est que tout est déjà préprogrammé. On peut définir les expressions, il suffit d'importer des fichiers son, ils calquent automatiquement là-dessus les expressions du visage, les phonèmes et tout le bazar, comme on va le voir dans le petit reportage qui suit. Ok. Right, Live Studio Head is actually a new software technology. Live Studio Head est un nouveau logiciel. Auparavant, lorsque vous vouliez mettre une animation interactive d'un visage dans un jeu, une vidéo ou du multimédia, vous deviez travailler avec une technique de morphing par keyframe. Ici, c'est une technologie toute différente. Elle porte le nom de technologie macromuscle. Et c'est principalement 170 muscles qui composent le visage. Quand vous importez un fichier son au format WAV avec une voix, le programme va générer trois pistes qui correspondent au mouvement des muscles. Ce qui donne une apparence très naturelle et rendra vos personnages beaucoup plus crédibles. Cette technologie fonctionne en temps réel. Comme vous pouvez le voir, il est possible de changer le point de vue de la caméra. Donc, quand vous avez importé les caractéristiques de vos personnages dans votre projet, celles-ci peuvent encore être modifiées en temps réel. Pour créer un visage, vous partez de ce modèle de base et vous pouvez changer tous les paramètres. Ici, nous changeons la longueur du visage ou l'épaisseur. Vous pouvez changer l'âge, le sexe, la race. Une fois que la transformation est finie, vous passez à l'animation où vous programmez les expressions et la synchronisation à la voix. Vous pouvez voir les muscles qui travaillent. C'est la technologie que nous utilisons. Mais nous pouvons ajouter une expression en même temps que le mouvement des lèvres sur le texte. To the lip sync, so you can get them to talk with the expression on their face as well. Now, to go into the lip sync part, we have. Pour la synchronisation au texte, nous devons importer un fichier son au format WAV. We can immediately turn it into a phonemes. Le programme va créer une piste pour les phonèmes et trois pistes pour les visèmes qui viennent ici en dessous. Donc vous avez le son et la forme du visage. But then, of course,
Vous pouvez ensuite y ajouter une expression pour qu'elle parle en souriant. Can add your expression onto this so that when she's talking with a smile. And at this stage, you can also. Et à ce stade, vous pouvez y ajouter un suivi des yeux pour que le personnage vous regarde. C'est beaucoup plus crédible quand il vous regarde en même temps. Cette technologie a déjà été utilisée dans le jeu Silent Storm de Navel. Dans ce genre de jeu, c'est très important de créer des personnages dans lesquels le joueur croit. C'est ce qui va faire que votre projet va se démarquer par rapport aux autres. Vous pouvez capter l'intérêt du joueur grâce au regard du personnage, indépendant des mouvements de la tête. Grâce à ce programme, les personnages de vos jeux vidéo pourront être personnalisés comme dans un film. C'est absolument génial, Jean-Christophe. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres applications que le jeu ? Alors, c'est prévu, puisqu'il y a des API qui existent. Attends, des API. Des API, donc. Donc Application Programming Interface. Voilà. Donc, qui pourront servir. Qui pourront. Ça permet d'écrire un soft qui va parler à ce logiciel. En gros, on va pouvoir, voilà, ça va utiliser les propriétés du logiciel pour faire plein d'autres choses, comme par exemple, comme le disait Brice, la vidéoconférence, ou bien une machine, une answering machine, donc pour chez soi. Ouais. Et on peut également importer tout ça dans 3ds Max et Maya, qui sont deux des gros softs qui permettent de faire de l'image de synthèse. On peut aussi downloader une version d'évaluation du soft, donc si vous voulez faire un peu mieux avec, c'est sur lifemi.com, c'est lifemi.com. Lifemi.com. Et on retrouvera comme d'habitude les adresses sur le site www.cybercafé.tv. Ouais, est-ce que c'est vrai? Mais oui, absolument, hein, c'est vrai. Ça relève un peu c'est de Laurent. C'est Laurent, surtout les semaines. Lifemi.com. Paul-Henri. Ah oui. Alors voilà. Alors moi, je disais un truc heureux comme un gamin. On peut écrire, mais en fait, on peut téléphoner. Heureux comme un gamin. Ouais, ça fait en fait 6 mois que c'est un étui à cigarette. Que j'essaie d'avoir cette chose entre les mains. Ça s'appelle le XDA. Et c'est une société qui s'appelle O2 qui fait ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce que ce ne sera jamais commercialisé en Belgique. Un, parce que c'est... Merci Paul-Henri. Ouais. Mais ça, non, je trouve qu'il y a des technologies qui sont extrêmement intéressantes, même si elles ne se retrouvent pas dans le commerce, et même si on ne les aura pas en poche. Donc, l'idée... Oui, comme le t-shirt de Xavier, par exemple. Oui, il y a toujours le commerce, qui est toujours sur ses épaules, malgré les promesses, mon frère. Oui. Non, moi, c'est quand vous voulez, hein, mais je ne vais pas d'emblée me le... Non, mais je sais quand on le va faire, Xavier. Oui, moi aussi. Pendant le site internet. Voilà, exactement. Ah, oui, bien vu. D'accord. Bon, donc c'est un PDA sous Pocket PC, donc Windows, mais qui est GSM également, GSM et GPRS. Alors, quelle est la différence entre PDA, Pocket PC, Visor, Pocket PC, c'est le système d'exploitation. C'est le nom du système d'exploitation de Microsoft qui est dedans. Ah, d'accord. Alors, PDA, c'est ordinateur de poche, c'est un ordinateur personnel de poche. Et donc, la différence, c'est qu'il y en a qui tournent sous Palm. Ah, c'est ça. Donc, tous les PDA ne tournent pas tous sous des Pocket PC. Exactement. Il y en a sous Palm, il y en a sous Symbian, okay, et sur Pocket sous PC. Microsoft. D'accord. Alors, pourquoi? Ben, vous le montrez. D'abord, il y a le fait que c'est un bel objet. C'est un bon GSM. Mm-hmm. C'est un truc GPRS. Ce qui veut dire qu'on peut surfer sur Internet Explorer directement à partir du PDA. Mm-hmm. En fait, on a un véritable petit PC en poche, puisqu'on a les applications Word, Excel, toutes ces choses habituelles qu'on trouve dans un Pocket PC, mais directement connectées à Internet par GPRS. Mais ce qui me semblait le plus intéressant, c'est un des logiciels qui a été développé pour le Pocket PC. C'est une société belge qui a développé ça. De Brenlalleux. Oui. C'est un navigateur WAP pour Pocket PC. Alors le WAP, il y a plein de gens qui n'aiment pas beaucoup. Sous Pocket PC, ça n'existait pas. Maintenant, ils en ont développé un. Et la nouvelle version est encore mieux, puisque la nouvelle version, elle est en plus compatible entièrement MMS. Alors, on va le voir tout de suite. Mais cette fois-ci, on va voir comment ça marche. Parce que moi, ça m'a vraiment impressionné parce que j'ai pu l'utiliser, j'ai pu envoyer un MMS. Si, si. On a trouvé un serveur qui était connecté à ce moment-là pour envoyer un MMS. Tout à fait. Alors, on va créer un nouvel MMS. Et c'est assez génial. Voilà. Donc, on a l'impression d'avoir un email, mais on peut faire comme avec un email. Donc, on peut insérer, par exemple, une image. Une image tout à fait classique, je vais prendre un GIF, par exemple.
Voilà, je prends un GIF, ok. Ils me le mettent dedans, je peux maintenant insérer du texte. Je tape mon texte, n'importe quoi. C'est du latin, ça. Oui, c'est du latin. Et puis, après ça, je peux rajouter une page. Donc, je peux faire des MMS multipages. Mm-hmm. Et là, je vais... Et ça, c'est un truc génial d'Azos. C'est que je peux carrément créer mon image. Ils ont mis une sorte de micro-paint dedans. C'est énorme. En couleur. En couleur. C'est pas assez remoustique, on développerait des logiciels pareils. Il y a Cabrel. Alors je peux écrire. Il y a Cabrel Lalleux, c'est possible. Je peux écrire et puis je peux dessiner. Donc on peut faire vraiment un message écrit, personnalisé. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais on peut faire la même chose aussi avec le son. Mais ça n'arrivera jamais chez nous. Mais tu peux l'acheter ailleurs. Le logiciel est un logiciel qu'on peut acheter et mettre sur n'importe quel pocket PC. Mm-hmm. Par exemple, qu'on va connecter par infrarouge à un GSM ou par Bluetooth à un GSM Bluetooth. Donc le logiciel Azos fonctionne sur tous les pocket PC. D'accord. Et alors, maintenant, je peux par exemple ajouter un son. Soit j'ai un son prédéfini, soit, eh bien, là aussi, j'en crée un nouveau. Et... C'est quand même sympa. Revoyons ces images dans 10 ans. Pour le design, ils avaient plus de sous ou bien c'est... Le design de quoi? De l'appareil? Ça, oui. Ah, moi, je le trouve beau. Il est vraiment très beau. Il y en a qui aiment bien. De près, il est pas mal. De très près, il est pas mal. Voilà. Les goûts, les couleurs. Et alors peut-être un dernier petit truc, mais c'est pas très technologique, c'est très marché. Vous connaissez ce que c'est, ça? C'est un clone, c'est un PC sans marque. Oui. Eh bien, vous savez que c'est le truc autour duquel les grandes marques sont en train de se battre, mais comme des acharnés aux États-Unis, et que Dell a décidé de s'attaquer à ce marché-là, puisque ça représente 35% des ventes de PC au PME. Les marchés des clones. Les marchés des clones. Et donc, Dell a décidé de fournir ce genre de machine sans marque aux petits fabricants de quartier, assembleurs de quartier, afin de prendre encore quelques parts de marché, parce qu'ils se sont dit que laisser 35% de parts de marché comme ça à n'importe qui, ça n'allait pas. Donc Dell s'est lancé là-dedans. Mais Dell, ils font quoi là-dedans? Oh, ils font tout. Ils font le bazar. Ça marche. Ils font une machine. Ah, comment ça s'arrête? Ah non, c'est pas prévu. Voilà. Oui, il y a on des va jeux, les goûts musicaux de Paul Henry en direct. Non, non, pas donc, du tout. Si bien, on va voir les PC sans marque de marque Dell. Exactement. Voilà. Et en plus, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année passée, Michael Dell, dans une interview, nous avait dit le marché du PDA, c'est pas mature, ça ne sert à rien. Eh bien, il faut savoir qu'ici, au mois d'août, Dell a décidé de chercher des partenaires pour fabriquer des PDA à sa marque. Ah bah voilà. Donc vraiment, ils sont en train de tout casser dans tous les sens. Alors, les goûts et les couleurs encore, avec quelques sites... Hein, quelle jolie site. Transition. Bien, quelle jolie transition. Voilà, avec un quiz multiple. Serge Gainsbourg le Grand disait que la chanson est un art mineur, mais que l'art majeur reste et restera toujours là. La peinture. Donc il peignait, on le sait, on n'a pas vu grand-chose parce qu'il a tout détruit. Mais on peut se demander si Gainsbourg avait vécu en pleine explosion de l'Internet, s'il n'aurait pas eu son site et s'il n'aurait pas été tenté lui aussi d'exposer virtuellement ses œuvres plastiques sur son site. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que pas mal de personnalités connues pour étant des chanteurs sont, à leurs heures perdues, pendant leur temps libre, également peintres, graphistes, ils réalisent des collages, ils réalisent du travail plastique, pas toujours inintéressant. Souvent, quand on clique sur galerie, on a parfois la surprise de ne pas voir simplement une série de photos enchaînées, photos promo et posées de l'artiste, mais bien une vraie galerie de tableaux, de dessins ou d'œuvres. Alors, je vais vous en proposer quelques-unes. Est-ce que c'est de qualité ou est-ce que finalement on va voir ça ensemble. Pas ça. On va voir ça ensemble. Alors, celle-là, je ne sais pas si vous la voyez d'où vous êtes. Oui, on va voir. Voyez-vous là? Ça, c'est une œuvre qui s'appelle « Le Moujik et sa femme ». Et c'est donc un dessin de Jean-Louis Murat, qui s'est mis à la peinture il n'y a pas très très longtemps et qui a exposé. Non mais c'est mieux qu'avant. Hein. Il a fait pas mal d'autoportraits, qui étaient assez torturés d'ailleurs, exposés sur son site. Et donc de temps en temps, il reprend les pinceaux et il repropose. Il est sorti une sorte de nouvelles œuvres comme celle-ci qui porte le titre générique de son dernier album, donc Le Moujik et sa femme. Si on peut en voir une autre. Laurent cherche comment ça marche. Alors ça, c'est tout à fait autre chose. Ça s'appelle... Tout à fait autre chose. Ça s'appelle Parisian Bateau.
Parisienne Bateau. Donc on peut imaginer. Déjà, c'est pas un francophone. On peut imaginer que ça a été réalisé à Paris. David Bowie. Non. Sorte de Dufy du pauvre. C'est John Anderson, le chanteur de Yes. Ah, mon Dieu. Qui expose aussi ses ratchatcha sur son site. En descente de produits prohibés. Alors une autre. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Et vous pourriez deviner, parce qu'il illustre également les pochettes de ses disques. Ça s'appelle Rouge. Ah, c'est une œuvre de Mano Solo. Ah voilà, oui, Mano Solo. Qui expose pas mal de choses sur un site non officiel d'ailleurs. Et il y a effectivement une patte, quoi. Il y a un univers tout à fait intéressant. Cela dit, je crois que c'est pas un Lino, je crois que c'est plutôt. Alors, celle-ci s'appelle Pet Shop Boys. Garden Angels. T'es pas loin, Brice, t'es pas Michael, loin. George Michael. Si vous vous demandez ce qu'est devenu Holly Johnson, l'ancien chanteur de Funky Ghost to Hollywood, non. Il fait de la peinture. Ah bon? Et c'est un exemple de. Ah, voilà. Des peintures qu'il expose sur son site. Pierre beaucoup, et Gilles. Beaucoup de marins en maillot de corps rayé. voilà, ça évoque un peu Pierre et Gilles. L'univers. Toute la collection est dans le salon de Jean-Paul Gaultier. Alors celle-ci que je trouve vraiment vraiment intéressante s'appelle The Golden Age of Burlesque. Ouais. Et c'est aussi le titre de l'album qui arrive. L'album de Marilyn Manson, qui pour la première fois va véritablement exposer dans une galerie. Ça va se passer le 20 septembre prochain. À Los Angeles, et il fait des choses vraiment remarquables. Il y a un site qui s'appelle thegoldenageofburlesque.com qui est consacré uniquement à sa peinture, je pense que ce sont des aquarelles. Ça, c'est un collage qui a pour nom « L'amour est au coin de la rue ». Et ça, c'est Marc Morgan qui, sur son site, expose des collages, pas mal de graphismes, d'illustrations et aussi des peintures. Il y a plusieurs galeries selon le type de technique utilisée. Donc allez-y, faites des recherches. Il est possible, voire probable, que des gens dont vous aimez la musique réalisent également des œuvres picturales. Ouais. Et parfois, c'est peut-être plus marrant d'accrocher dans sa chambre une œuvre de la personne dont on apprécie le boulot plutôt que son portrait posé. Tout à fait. Donc j'attends impatiemment les peintures de Kylie Minogue. Ils ne remplaceront jamais, à mon avis, mes posters de Kylie Minogue. Beaucoup de courriers pour. Alors, on n'a pas vu Bowie. Oui, bah Bowie. Mais le site de Bowie est extrêmement compliqué parce que pour y avoir accès, il faut les dernières versions de Explorer plus une version Flash extrêmement compliquée que je n'ai pas réussi à télécharger sur mon Mac, et donc j'ai jamais eu accès au site de Bowie. Il faut dire que lui aussi. Pourtant, Flash 6, qui est la dernière version, elle fonctionne très bien, je l'ai devant moi pour le moment. Mais moi, je ne suis pas arrivé, donc tu passes à la maison après l'émission et m'installer ça. Ceci dit, Bowie est beaucoup plus mercantile, puisque lui, ses œuvres exposées sont à vendre. Oui. C'est ce qu'on vient de voir ici, c'est juste pour la beauté du coup d'œil, mais il n'a absolument rien à vendre. Et alors, sur son site, il paraît qu'il y a un petit espace pour les jeunes artistes, quand même, du haut de sa grandeur, il donne un peu d'espace. Voilà, pour rester simple. Bien, tu es venu avec d'autres images. Alors d'autres images, toujours évidemment de la musique électronique associée parfois ou parfois pas à des images également générées par computer. C'est le cas aujourd'hui, c'est complètement électronique et high-tech. C'est le nouveau clip de Autecré, où on dit aussi Autecré ou Autecré, il n'y a aucune prononciation officielle envisagée par le groupe. C'est un duo de Manchester qui existe depuis une quinzaine d'années. Souvent comparé à l'univers de Aphex Twin ou Boards of Canada, dont ils partagent le label Warp. Et le nouveau clip de Autecré, qui a pour nom Gans Graf, c'est vraiment de l'électronique pure et dure, puisqu'on a l'impression qu'on a, on a proposé à un computer une forme géométrique 3D et qu'on l'a laissé travailler cette forme selon des calculs d'algorithmes. De logarithme. Oui, de logarithme. Ah, voilà. Et autres vecteurs. Donc, c'est de la mathématique pure, mais poussée à un point où ça en devient vraiment de la poésie. Pas seulement au niveau de la vidéo, en fait. La musique aussi. Autecré travaille beaucoup avec des algorithmes. C'est-à-dire qu'ils ont des espèces de séquences autocomposées, comme ça, qui génèrent. Et donc, c'est. Là, c'est Gans Graf. Gans Graf qu'on regarde. Ok. Alors, vous restez avec nous, vous regardez, vous écoutez, et après, on reçoit les chemins. Ça fait du bruit. We'll be right back.
Otekre Gansgraf. Ça valait la peine. Très sympa, Xavier, mais un petit peu crispant. Je dis ça parce que Rudy est parti. Oui, je dis ça, parce que, oui, j'en profite. Rudy, si tu m'écoutes, pardon. Nos invités sont avec nous. Nous avons... Run. Yann. Yuck. De l'autre côté de la table, Yuck. Bonsoir tous les trois, membres de Schmann. Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est Schmann. C'est des grands amis à nous. Hein, oui, on les aime beaucoup puisqu'ils nous envoient des spéculoos, des chocolats, voilà, des t-shirts, des disques. On les aime beaucoup et on aime surtout ce qu'ils font. Et puis ils ont laissé des traces aussi dans le patio radio. Hein. Oui, il y en a un peu partout, des autocollants. Oui. Alors, on peut en rappeler en deux mots, c'est une association de créatifs basée à Lille, je pense. Basée à Lille, oui. Et qui sont connus pour, au départ, leur personnage et leur site Schmann, puis Banja, qui est un dessin animé, puis un jeu vidéo interactif, et qui est devenu aujourd'hui une vraie série, je crois, diffusée. L'épisode 12 est terminé maintenant. L'épisode 12 est terminé, voilà. Donc en ligne. Jeux vidéo en ligne et vrai dessin animé à la vraie télévision, donc En cours. Et là, on vous reçoit pour une nouvelle série, une nouvelle création qui ne date pas d'aujourd'hui. Non, qui est Modafocas. Version mexicaine. Modafocas, très bien, voilà. Donc ouais, en fait, Modafocas, d'ailleurs sur le site Schmann, il y a un lien vers modafocas.com si on veut voir un peu l'univers. Et pour raconter l'histoire vite fait, c'est deux potes de la rue qui se retrouvent impliqués malgré eux dans une espèce de vaste machination qui mêle l'État, des services secrets obscurs, les extraterrestres, enfin c'est un gros truc. C'est un peu l'histoire de David Vincent et des envahisseurs, mais revisité, un peu plus sombre et aussi très 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 deuxième degré. Donc on essaye de mettre là-dedans un ramassis de tout ce qui est cliché de films d'action, karaté, tous les pires trucs, série Z, films d'horreur, tous les pires trucs qu'on voit dans les séries ou dans les films en général. En même temps, le début du scénario, ça rappelle quand même ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas tellement dans le futur. Hein. Si, dans le futur, mais en fait les états sécuritaires, il y a plein de choses qui font penser à notre présence de la publicité aussi, un peu le côté Big Brother is watching you. Mais là, il y a des aliens en plus qui envahissent la Terre. Mais ça, personne ne le sait. Pour l'instant, il n'y a que Modafocas et son pote qui le savent. Alors, la patte graphique, parce qu'il faut bien expliquer que c'est d'abord un dessin animé, c'est des cartoons. Et il y a une patte graphique quand même très comics américain des années 70, 60, avec un tout petit ton manga, les grands yeux du personnage, etc. C'est qui le directeur artistique qui a inventé, créé le ton graphique? Le directeur artistique, c'est moi, mais en fait, ça se fait aussi par la force des choses, parce que c'est un univers qu'on baigne tous là-dedans. En fait, on est tous fans de films de science-fiction des années 50-60 et tout ce côté un peu kitsch. Et donc, on a voulu recréer ça dans les visuels. Mais justement, Modafocas, l'univers de Modafocas, il se passe dans un futur proche, mais en même temps, c'est pas vraiment le futur tel qu'on pourrait l'imaginer aujourd'hui, c'est un rétro-futur. En fait, l'histoire diverge à partir de 1969 et Neil Armstrong qui pose le pied sur la Lune, et à partir de ce moment-là, l'histoire diverge complètement dans un autre sens, et on arrive à l'univers de Modafocas. Ça se passe plutôt dans un présent parallèle, on va dire ça, ou un présent légèrement dans le futur. Ça se passe en 2033 quand même. Ouais, c'est une date charnière. Dans un univers parallèle, mais qui est très très, au niveau graphique, c'est très très rétro. Alors le numéro 0 est en ligne, on peut aller le regarder sur modafocas.com. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment du dessin animé, donc c'est pas du flash, même si vous avez mélangé différentes techniques. Je crois que vous avez utilisé de l'illustration. Yuck, toi qui es illustrateur, donc comment est-ce que tu procèdes? En fait, on a fait beaucoup de maps pour créer les décors, donc tout ce qui est à l'intérieur de chez Muta, l'extérieur et tout. Donc petit à petit, en fait, on a commencé pour poser l'univers et parce qu'on savait pas réellement comment ça allait vraiment être quand on a commencé à travailler dessus, donc il fallait tout mettre, tout faire, créer. Et donc voilà quoi, on fait aussi bien les maps que les petits FX en flash par-dessus la vidéo. C'est des effets spéciaux quoi. Ah c'est ça, ça. Ça me semble bien. Voilà, alors ce qui est particulier évidemment dans Modafocas, la 3D, mais justement c'est ça. Sur la vidéo, on va retravailler avec Flash MX pour pouvoir faire tous les petits effets qu'on va pas faire en 3D quoi. Voilà, mais il y a de la 3D et donc on va écouter Yann, parce que sur ces décors 2D qui sont créés, personnages qui sont animés en flash, toi
tu incrustes là-dedans des éléments en 3D ? Voilà, bah c'est, en fait, au départ, la 3D, il y avait le pari, c'était de pas faire 3D, justement. On voulait surtout pas perdre l'aspect graphique qu'il y avait au départ de Moutafoukaz. C'était très dessiné, très un peu sale dans le trait, très travaillé, et je voulais surtout pas, moi, perdre ça en passant à la 3D. Donc ça, c'était le premier pari, et après, en fait, on s'est servi de la 3D pour les scènes un peu plus complexes, les scènes d'action, avec les personnages qui sont un peu plus animés, pour simplifier à la base, pour pouvoir avoir des mouvements de caméra dans les scènes, etc. Ce qui est moins faisable déjà en 2D. Quoi. Alors c'est très beau, c'est pas interactif, c'est quoi votre ambition, c'est quoi votre plan? Pour le moment c'est une série, c'est un premier épisode, et puis l'idée c'est quoi? Pour l'instant c'est présenter l'univers justement aux gens, déjà voir si ça accroche et tout, et nous aussi ça nous fait plaisir surtout à faire. Et ensuite, là c'est juste une vitrine, et puis par exemple le pilote va nous servir pour nous à démarcher, pour savoir si éventuellement il y aura des gens qui seraient intéressés dans la création d'une série télé, ou pourquoi pas d'un long métrage. Nous, c'est vrai que bon, on se dit, c'est vrai, un long métrage ça pourrait être vraiment classe. Et bon, moi je garde espoir. Ah oui, donc aujourd'hui le but c'est faire vraiment les sorties en salle ou la télé, mais plus le web. Plus le web, mais en même temps je tiens quand même à ce côté internet pour peut-être faire un parallèle avec, si jamais on faisait une sortie, que ce soit à la télé ou au cinéma, faire un parallèle de l'univers avec le web, peut-être des compléments d'informations sur les divers personnages, des histoires parallèles. Moi je pense que ça peut être un bon travail de mise en parallèle des... Et puis vous utilisez le site pour faire des petites bandes annonces et de la promo, ouais, et trailers, c'est d'ailleurs c'est sympa. Il faut dire aussi que sur modernfecas.com, il n'y a pas que le trailer, il y a aussi, enfin il n'y a pas que l'épisode 0, il y a aussi une série de trailers, et ça c'est assez sympa. Il y a aussi un petit forum, et d'ailleurs à chaque connexion la cover change. Pour l'instant, on a une petite vingtaine de covers, mais ça permet de voir aussi, de cerner un peu plus l'univers. Vous êtes tous des passionnés, vous travaillez à Lille, vous travaillez combien d'heures par jour? Est-ce que vous vivez en dehors de... Ah, c'est vrai que la vie privée, on est obligé de la sacrifier un petit peu, quoi. Mais bon, moi c'est ce qui me plaît. Puis tant que j'aurai l'énergie, je le ferai, quoi. Mais... Ouais. combien de temps déjà? Plusieurs années, non, vous ne faites pas que ça. De cheval? Sur Moutafoukaz. Ah, mais ça a été relativement vite. On a commencé au mois de février ou avril. Ouais, ça fait 5 mois. Cinq mois pour faire le pilote. Avant ça, on avait quand même mis en ligne le site où il y avait des petits trailers en flash, qui étaient plus faciles à faire. Mais encore avant ça, il y a un petit carnet qui s'assombrissait au fil des jours. Avec mon petit rotring, je faisais les cases et j'approfondissais un peu l'histoire et les personnages. Mais bon, maintenant, c'est vrai que il y a un truc au-dessus. Déjà, avec Internet, ça a apporté quelque chose. Et maintenant, avec le pilote en plus, je crois qu'on arrive à se rendre à peu près compte de ce qu'on voudrait faire exactement. Alors, ce qui serait intéressant, Xavier, peut-être pour les téléspectateurs qui ont envie de se lancer dans cette carrière, c'est de voir un petit peu les études que vous avez faites. Parce que vous êtes encore jeune, Run, tu as fait quoi? Alors moi, sans compter la terminale, pour faire plaisir à ma mère, j'ai fait un bac B, mais sinon je fais les beaux-arts. Et ensuite, donc c'était une formation pour être graphiste, ouais. Mais finalement ce qu'on a appris, on l'apprend sur le terrain directement. Ouais. Quoi. Et toi Yann? Moi j'ai fait une école d'infographie à Valenciennes, qui s'appelle Superfocom. Ah oui, Superfocom. Voilà, ouais. Et non des moindres. Et Yuck? Et moi, j'étais à l'ESAT, un BTS, expression visuelle, image de communication. Et avant, j'avais fait un bac F12 art appliqué, qui a changé de nom maintenant. Tout ça est relativement... Relativement traditionnel. Voilà. Hein? Mais l'avantage, de toute façon, je pense, avec Internet, Flash et tout, c'est déjà, je pense que l'utilisation de Flash est assez simple. Et finalement, même sans faire d'études... C'est à la portée de tout si on a le talent. Voilà. Peut-être. Voilà. Voilà. Merci, les Schmann. Écoutez, avant de partir, on m'avait promis Malvira sur le plateau. Je suis assez... Ah, Malvira, oui. C'est un fan de Malvira. Ah bon? Oui, sérieusement. Bah, écoute, Malvira, on verra ce qu'on peut faire peut-être après dans les loges. Okay. Déjà que la France nous a piqué Philippe Gueluc. Oui, maintenant, il pique Malvira. On fait une pause, mes amis, et on se retrouve juste après pour... Encore de la technologie avec Paul Henry, Apple Expo, et puis l'un ou l'autre petit site, sans oublier Stuntman. A tout à l'heure.
trentaine de prix à gagner. Joue sur gopassgate.be ou sur une GoPassGate dans ta gare. Alors Apple Expo s'est terminé la semaine passée, Brice. Hein ? Et oui, on m'avait promis d'avoir la possibilité de rencontrer Steve Jobs. Encore raté. Et oui, c'est raté. J'ai dû me contenter, mais pas de n'importe qui, de Pascal Cagny, qui donc est le vice-président d'Apple, et également le président d'Apple Europe. Pascal Cagny, à qui j'ai posé quelques questions, puisqu'on nous a accordé que 10 minutes, et je vous dirai après tout ce que j'ai pas pu lui demander. La fête des amateurs du Mac s'est tenue porte de Versailles la semaine passée. À cette occasion, Steve Jobs a fait le déplacement pour nous présenter macOS 10.2. Mais curieusement, pas de grandes nouveautés pour cette Apple Expo. Cela fait en fait déjà quelques années qu'on essaye de dissocier l'annonce des produits des keynotes. C'était une contrainte extrêmement forte et l'on préfère aujourd'hui annoncer nos produits au fil de l'eau. Simplement parce que je crois qu'on répond aujourd'hui à des priorités qui sont à celles des attentes du marché et que quand le produit est prêt, on le donne à nos utilisateurs. Mais je ne suis pas complètement d'accord avec vous sur le fait qu'il n'y a pas eu d'annonce. Il y a eu des annonces massives. Le fait d'abord que Jaguar est un grand succès, OS 10.2, et puis on a maintenant disponible, downloadable dès aujourd'hui, iCal. Oui, iCal, c'est la nouveauté. Un calendrier qui se partage sur le web et qui fait partie de la fameuse stratégie d'Apple du hub numérique. Notre propos aujourd'hui, c'est une fois encore d'ouvrir la voie du tout numérique, de montrer comment on peut tirer parti des grands outils qui sont à disposition, le téléphone, c'est ce que l'on a fait avec iSync, la photo, avec la photo digitale, la caméra digitale et tant d'autres. Le propos est une fois encore simplement d'expliquer qu'aujourd'hui, on arrive vraiment à une croisée des chemins, que le vrai multimédia, c'est en 2002 et ce n'était sans doute pas le tout début il y a près de 10 ans. Et dans cette stratégie du tout numérique, verra-t-on un jour un téléphone portable marqué à la pomme ? Même si c'était dans les plans, je ne vous en parlerai pas, puisque comme vous le savez, nous ne parlons jamais de nouveaux produits. Mais je crois que ce qui est important une fois encore, c'est de montrer que ce qu'on a fait avec iCal, iSync, c'est de compléter la stratégie du hub numérique. Vous avez bien compris qu'on considère que le PC, qui est la seule machine multifonction interactive dans le foyer ou dans l'entreprise, a la possibilité de donner une valeur extrêmement forte à l'ensemble des outils numériques, des appareils numériques. Parmi les nouveautés de Jaguar, Sherlock, un outil de recherche et de services en ligne. Malheureusement, ces services ne sont pas encore adaptés pour l'Europe. Nous sommes certains que les mêmes services que nous avons montrés aujourd'hui, qui existent uniquement en Californie, dans la Silicon Valley, seront valides à un moment donné, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, nous, aujourd'hui, il faut qu'on attende que ces services soient émulés. Et puis le fait d'avoir montré Jaguar et d'avoir tenu ici à Paris, en Europe, de démontrer Sherlock 3, c'est une sorte de message à l'ensemble des prestataires de services. Les cinémas, les horaires de train, les horaires d'avion, les parcs de loisirs, les enchères comme on l'a vu aujourd'hui. Enfin bref, beaucoup plus de choses que ce qu'on a aujourd'hui. Donc là, il faut laisser le marché faire cela graduellement. Les grands titres ludiques sortent souvent plus tard sur le Mac. Comment Apple compte-t-elle encourager les jeux sur la plateforme ? On doit reconnaître qu'il y a plusieurs années, nous n'avons pas suffisamment travaillé avec le domaine du jeu. Mais je crois sincèrement que depuis 2, 3, 4 années, à la faveur tant du travail avec les fournisseurs de chips graphiques, Nvidia typiquement, dont on s'est équipé le nouvel iMac, qui a une GeForce M4, qui est une remarquable chip graphique, il est essentiel de montrer qu'on a l'offre et la puissance nécessaires. En parallèle, vous l'avez vu d'ailleurs aujourd'hui dans le keynote, et la preuve, et ce pourquoi on tenait tant à avoir un village de jeu, c'est de dire à vous et à d'autres que nous sommes présents dans le jeu. Et que le débat qui était classique en disant vous êtes 6 mois ou 9 mois, eh bien non, à la faveur d'OS 10, qui réduit de manière dramatique les temps de développement, qui offre aussi un outil robuste avec une base Unix, on a aujourd'hui une meilleure conversion. La grande idée, c'est que le cycle de développement étant réduit grâce à la technologie que l'on a, à la couche BSD, aux OpenGL, au Quark, et à partir de là, on arrive à avoir un lead time qui est beaucoup plus rapide, et au-delà du fait qu'on a aussi travaillé sur la partie hardware, parce que c'est l'autre élément, et puis sur le display, qui est important, comme vous l'avez noté. Or, si vous prenez la conjonction des trois, vous focalisez sur quelques grands titres, grands hits, objectivement, vous avez une très belle expérience en termes de joueurs. Les amoureux de la pomme se retrouveront ce 21 novembre à Londres pour une nouvelle messe dédiée au Macintosh, Mac Expo. Voilà donc, le lead time, c'est ça qu'il a dit le garçon. Oui, le temps que met pour arriver à faire un produit.
Ah, c'est ça, le leak time. Time to market. Time to market, voilà. Et il ne parle pas de rendez-vous. Non, il ne parle pas de rendez-vous, il ne parle pas de iSync, il ne parle pas de nouvelles technologies qui sont dans Jaguar, parce qu'il y en a quand même 150 des nouveautés. Donc il ne pouvait pas toutes les lister. Mais enfin, les vraies questions qu'on avait envie de lui poser et qu'on n'a pas pu lui poser, c'est bah, pourquoi est-ce qu'on voit des gens de chez AMD, un fabricant de processeurs, faire des allers-retours entre leur bureau et ceux d'Apple, par exemple. Parce que là, tout le monde se demande s'il va y avoir une nouvelle génération de processeurs qui vont accélérer les capacités des machines actuelles. Ils ont sorti aujourd'hui toutes leurs machines en double processeur, mais pas les portables. Un portable à double processeur, est-ce que c'est possible? Et pourquoi Bluetooth, qui est démontré par Steve Jobs avec un téléphone et un Mac, ben pourquoi Bluetooth n'est pas intégré au Mac? Il faut utiliser un appareil non Apple. Un peu sur pause ton affaire, là. Non, je laisse tourner, je suis en train d'étudier la question. Toutes ces questions, vous n'avez pas eu le temps parce que vous n'avez eu que 10 minutes. Oui, on n'a pas eu beaucoup de temps, mais enfin, bon, c'était quand même assez intéressant. Très bien. Voilà. Oui, je sais pas. Non, mais toi, je sais pas. Bref. Alors, un petit site maintenant. Un petit site, Xavier. Oui, à l'heure qu'il est. Un petit site. On peut y aller, là, quelle heure il est, là? 19h40, ou à peu près. C'est un site à l'adresse nakednews.com. Alors, nakednews.com, c'est simple, on peut envoyer les images peut-être. Oui, tout à fait. Ce sont donc... voilà, vous l'entendez. Là, c'est une preview, c'est donc un journal d'information, un journal télévisé avec des présentatrices. Je ne sais pas si elles sont journalistes, mais qui font un striptease en même temps qu'elles vous annoncent les bonnes et les mauvaises nouvelles du monde. Voilà, Xavier, il faut dire que, revenons à des choses vraiment sérieuses, tu peux laisser l'image, Jean-Marc. Donc, c'est disponible en plusieurs qualités de bande passante, modem ou ADSL. Ici, paradoxalement, ce que nous voyons en ce moment, c'est la version modem. On voit que la qualité n'est pas mauvaise, et puis on peut le visionner avec Real Player, Windows, Media Player et QuickTime, donc pratiquement déjà, on peut toutes les plateformes. Voilà. Alors ça, c'est une démo gratuite sur le site web, mais vous payez $10 si vous voulez avoir vraiment les infos du jour. Elles vous sont données par Lily, Sandrine, Roxane, Kay, Erika et du côté des garçons, Lucas, Raoul, Joshua et Robert. Je sais parce qu'il faut quand même le dire, il y a aussi la version homme. Peut-être peux-tu nous montrer quelques images de la version homme ici, qui est assez sympa. Vas-y mon grand. Voilà. Lui, c'est... je sais plus comment il s'appelle. C'est Lucas. C'est Lucas, vous allez voir. Ah oui. Voilà. Alors bon, il faut s'abonner. C'est tout. Bon, quoi. Alors évidemment, si vous êtes abonné, vous avez droit aux coulisses de Naked News. Parce que, évidemment, ils font plusieurs prises. Parfois, il y a des petits accidents. Ouais, le bêtisier de Naked News. Le bêtisier de Naked News. Ah oui, d'accord. Jean-Marc, tu peux, tu peux revenir chez moi parce que... Pour les impatients, il y a la version intégrale. Déjà quelqu'un, déjà un abonné. Ah, ça y est, nous avons déjà une plainte. Monsieur. Bon, pour les courriers, c'est chez moi. Voilà. Ouais. Ah, si tu veux les courriers. Nakednews.com, donc. Téléphone, c'est pour moi. Jacques Follon, notre juriste. Bonsoir, Jacques. Jacques, justement, bonne transition. Bienvenue dans ce café 2.0. Est-ce que j'aurais le droit de regarder ceci au bureau? Est-ce que mon employeur pourrait m'attaquer parce que je regarde nakednews.com au bureau? Mais non, tu t'informes. Ouais. En fait, on est de nouveau reparti, parce que c'est mon critère favori, dans des rumeurs qui viennent sur Internet. Mon employeur me contrôle, mon employeur peut-il me contrôler, mon employeur me contrôle peut-il ou non. Alors en fait, depuis juillet, on a ce qu'on appelle une convention collective, c'est un peu un mot barbare, qui veut dire qu'en fait, on a précisé si l'employeur peut ou non contrôler les employés. Alors la réponse est très simple, l'employeur peut contrôler ses employés, mais il doit leur dire avant. Ah bon, d'accord. Donc si vous êtes dans une société dont l'employeur ne vous a pas dit « je vais vous contrôler », il ne peut pas vous contrôler. Est-ce qu'il doit te le dire ou te le notifier par écrit? Ça doit être... D'abord, il doit pouvoir prouver qu'il vous l'a signalé. Donc en fait, il doit garder une trace, donc que ce soit dans le règlement de travail, à l'ouverture des fichiers, enfin, quelque chose qu'il doit pouvoir prouver. Et s'il ne l'a pas fait, il ne peut pas contrôler. Et si par hypothèse, il trouvait que Xavier est en train de regarder Naked News du matin au soir et décidait de le licencier, le licenciement ne serait jamais accepté par les tribunaux puisqu'il aurait été fait dans le cadre d'un contrôle qui aurait été illégal. Mais donc par exemple, si je suis en train de regarder Naked News et que mon boss passe derrière moi, ça va, hein, et que mon boss passe derrière moi, en théorie, il ne peut rien faire.
Il peut te faire une remarque, oui, parce qu'il n'y a pas un véritable contrôle, il la découvre par hasard, mais en tout cas, il ne peut pas instaurer de contrôle systématique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, et c'est pas à vous que je dois le dire, mais les contrôles ont de toute façon lieu, ne serait-ce que parce que les informaticiens veulent savoir si le système fonctionne. Donc, il y a des contrôles systématiques de l'informatique dans les sociétés, mais en tout cas, on ne peut pas contrôler de façon individuel. Donc on peut par exemple contrôler, une fois bien sûr qu'on l'a dit à tout le monde, on peut par exemple contrôler le nombre d'emails reçus. Et donc si tout le monde reçoit 10 emails par jour avec très peu d'attachment et qu'une personne reçoit 1000 emails par jour avec des mégabits d'attachment, là éventuellement on peut, si on prévient l'employé préalablement, lui dire tiens, est-ce qu'on pourrait pas les voir là-dedans. D'accord. Alors moi j'ai entendu parler de certaines entreprises qui faisaient signer à leurs employés une charte d'utilisation de l'internet dans laquelle l'employé signe et donne son accord à utiliser à des fins professionnelles uniquement son email par exemple. Tout à fait. Dans ce cas-là, ils peuvent être contrôlés. À partir du moment, non, là c'est une charte d'utilisation, mais il faut que le contrôle et les modalités de contrôle soient prévues dans la charte en question. Or, les chartes en général datent d'avant. Alors, juste pour vous signaler, dans quel cas on peut contrôler, parce qu'on ne peut pas contrôler simplement parce que l'employeur a envie de contrôler. Oui. On peut contrôler pour tout ce qui est illicite, diffamatoire, contraire aux bonnes mœurs, donc naked news à la que ligne. Je ne regarde pas au boulot, hein. Je tiens à signaler. La protection des intérêts économiques de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce qu'on transfère des données secrètes de l'employé pour l'envoyer à des concurrents, par exemple. Tout ce qui est sécurité, donc ouvrir des portes, un peu le hacking interne. Et alors, quelque chose qui est très très vaste, c'est la bonne foi et les principes et règles d'utilisation de technologies. Donc on voit un peu n'importe quoi. D'accord. Donc ça, c'est un peu la porte ouverte à n'importe quel type de contrôle. Mais en tout cas, ce qui est important, est-ce que les entreprises n'ont pas encore fait, mais enfin, c'est pas la première fois que je vous dis qu'il y a des choses qui existent en droit d'internet et que les entreprises ne font pas, il y a un contrôle qui doit être mis en place et les employés doivent être informés préalablement et important de façon claire. Donc ils doivent être capables de comprendre ce qu'on leur raconte. Merci Jacques Follon, c'était vachement intéressant. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit peu de Naked News, Xavier, pour surmonter un petit peu le moral pour le reste de l'émission? Moi, je continue seul. Pour surmonter le moral. Et on va terminer avec le dernier jeu de l'émission, les deux derniers. Oui. Hein, un qui est une prévue et l'autre auquel, Gilles, tu as joué pendant de nombreuses heures pour arriver au résultat qu'on va voir. C'est Stuntman. Parce que là, je vais faire le malin. En fait, on va voir un jeu de... Une simulation de cascadeur, en fait. Donc on a l'occasion de suivre une carrière d'un cascadeur au travers de sa filmographie. Donc on est là, on peut constater depuis ces dernières années qu'il y a un souci des développeurs d'un petit peu scénariser et remonter un concept qui pourrait se définir habituellement. Gilles conduire, c'est toujours un bonheur. En deux mots, on dit voilà, c'est un jeu de bagnole, mais en fait maintenant ils essaient un petit peu d'étoffer le principe un peu réducteur. Voilà. Dans ce film, il est question de contrebande d'alcool, du shérif et de l'innocence des frères Basco. Ici, la gnôle de Enos est dans les canalisations et commence à exploser dans toute la ville. Il y a un tas d'explosions chronométrées et le timing est crucial, en particulier lorsque les cheminées commencent à s'écrouler. Je dois appuyer sur le bouton de nitro au bon moment pour faire le dernier saut. Bagnole, scène 32, prise 1. À droite, à travers la clôture. On se retrouve dans la pose de cascadeur avec pour directive de coller au millimètre et à la seconde près à des scènes prévues. Donc ce qui donne, faut signaler, parce que là ça a l'air assez facile. Oui, le coup de passer entre les deux trains, effectivement, c'est quelque chose, quoi. Hein, oui, c'est assez courant. C'est génial les changements de caméra, ça donne un effet filmographique. C'est toi qui le contrôles ou c'est automatique? Non, ça c'est les replays en fait. Ici on a un mix des images du jeu. Donc la vue du jeu est la vue interne copilote. Moi j'ai préféré celle-là pour plus de précision. Et après on a l'occasion même de voir, une fois qu'on a terminé une série de cascades qui sont commandés pour un film bien précis dont on a été au préalablement averti. Et on a l'occasion de voir le résultat de ces cascades directement dans la bande-annonce du film. Donc ce qui est assez agréable à partir du moment où on a réussi à exécuter tout ce ramassis des plus gros clichés du cinéma américain. Donc c'est vraiment pour les fans de Sheriff Fais-moi peur et de General Lee. Donc, ce qui est moyen de faire autre chose que des voitures, hein, c'est uniquement voitures. Non, il y a également des dérivés. En fait, vu qu'on est engagé pour des films, il y a une espèce de mauvais remake d'Indiana Jones.
où on a l'occasion de conduire un vélo japonais, là, un pouce-pouce. Voilà, un pouce-pouce. Et donc, ça joue évidemment sur l'ambiance et le contexte du film. Mais ils doivent se creuser la tête maintenant, faire le scénario du jeu, mais en plus s'amuser à faire le scénario de chacun des films. Oui, oui. Est-ce que le but du jeu, c'est quoi? C'est de pas mourir? Est-ce que tu... Le but du jeu, c'est d'en faire vraiment une belle carrière. Oui, effectivement. Oh là. Je veux dire, est-ce que tu es blessé ou tu, tu gardes tes blessures, des choses que tu peux plus faire, etc. Non, ou pas? En fait, évidemment, le point négatif du jeu, c'est que pour arriver à une cascade pareille, il faut passer par au moins une centaine d'échecs qui sont tout aussi amusants à regarder les uns que les autres, puisque la déformation des voitures est absolument phénoménale. Et, ah, cette fois-ci, ça se carrément, oui, carrément déchiqueté. On peut parler d'explosion. Ah oui, c'est bien. C'est bien parce qu'il y a plein de jeux de bagnoles où les voitures restent impeccables. Ouais, mais c'est parce que c'est une volonté des constructeurs. Donc par exemple, Porsche avait dit dans un premier temps, ils ne voulaient pas qu'on démolisse leurs voitures. Ah oui. Et ici, pourtant, c'est des bagnoles. Oui, mais on reconnaît les marques. Non, c'est un esprit qui est développé. Si on reconnaît, une Aston Martin, puisqu'à la fin, on a l'occasion de prendre part à un tournage de James Bond. Et donc, juste terminer sur la difficulté du jeu pour dire que n'est pas Rémi Julien qui veut. Donc, c'est vraiment un jeu très très difficile. Alors, il faut qu'on donne des points. Hein. Oui, cotation. Alors, graphisme, moi j'ai trouvé ça excellent. Graphisme. Qu'est-ce que tu en penses, Gilles? Oui, c'est pas du tout influencé. Non, il y a deux écoles qui s'affrontent. C'est vrai qu'ici, au niveau. C'est très bien. Donc, au niveau de l'ambiance redneck, beauf américain, c'est bien rendu. Oui. Ça, je comprends. C'est bien rendu. 7, après les cas. Moi, je mettrais un 7. Un 7. Oui. Alors, pour le son. Musique, c'était quoi? C'était banjo. Au niveau la musique, oui, ben, 7. Oui. Country. 7. Le gros point fort, c'est la jouabilité, où on lui en mettrait une cote de 8. Jouabilité 8. Et la durée de vie, un bémol quand même, un 8, parce que c'est très très difficile. Voilà. Et ça sort sur. D'accord. Ça sort sur PlayStation 2. C'est sorti. C'est sorti sur PlayStation 2, ça nous fait un 7,5 en code global, quoi. Oui, on va hein, si je peux parler à ta place. Alors, dernière actualité, là c'est vraiment une exclusivité, une preview. Ça, c'est une avant-première, donc on va voir la bande-annonce d'un jeu qui est extrêmement attendu, également sur PlayStation 2, c'est Kingdom Hearts. C'est une association de Square, donc les créateurs de Final Fantasy et de Disney. Donc c'est vraiment deux mondes complètement différents qui se sont retrouvés pour un jeu d'aventure et un jeu de rôle à l'ambiance très travaillée et connue de tous. Quoi. On regarde. I've been having these weird thoughts lately. Like, is any of this for real? Or not? Avec un jeu de rôle hein, dans la tradition de Square et des Final Fantasy avec quand même une accessibilité un peu plus développée. C'est une aventure donc jouable avec la plupart des personnages de Disney, ce qui donne un rythme et un ton assez surprenant et décalé. Ça sort quand? Ça sort fin novembre, on annonce ça pour le 22, c'est déjà sorti au Japon, ça fait un carton. Et, je trouve l'idée absolument géniale en fait. Oui, c'est manga, c'est surréaliste. Surtout faire équipe avec Donald Duck dans ses plus belles démonstrations d'énervement, c'est assez... Est-ce que Donald Duck est un héros pour les gamins japonais? Probablement. Ça, c'est une bonne question. Ouais. Parce que c'est quand même tellement... Winnie l'ourson, tout ça. Et aussi, il faut signaler que tous ces personnages-là se retrouvent dans les différents thèmes et les différents films de Disney. Donc aussi le personnage qu'on incarne, qui est le petit garçon qu'on a vu au début de la séquence, change d'apparence quand il change de monde et d'univers. Si c'est l'univers de la petite sirène ou de l'étrange Noël de Mr. Jack. Donc, pas mal. D'accord. Et c'est sur Noël idéal. Sur ce PlayStation 2. En plus, ils rebalancent leur catalogue Disney, une fois de plus.
Donc c'est bien. Vous appelez aux enfants au Bambi, les enfants. Oh, la clochette. Clochette. Oh. Ce qui est bien pour un jeu de rôle. Va plaire aux parents, à mon avis. Allez, juste... au un bon petit Naked News. Un petit Naked News. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le monde tout à l'heure? Voilà. Mais on va se quitter sur ces images poétiques. Donc ça sort quand? Fin novembre. Fin novembre, Kingdom Hearts. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi, 19h15, sur la 2. Et donc, nous avons un partenaire presse, ne l'oubliez pas. Il suffit que vous appeliez le 0900 blablabla qui s'affiche à gauche de votre écran pour remporter un abonnement d'un an à etc. Et pendant toute la semaine, www.cybercafé.tv. Le site méga en ligne et méga au point de Cybercafé 2.0. À la semaine prochaine. On s'habitue vite à ne plus devoir attendre. Pour tout nouvel abonnement annuel Belgacom ADSL, pris en septembre, vous recevez un mois pour rien. Belgacom. Le nouveau parfum d'Ajax Fête des Fleurs dure encore plus longtemps. Ajax Fête des Fleurs nettoie en profondeur. Et son irrésistible parfum de fleurs, il dure longtemps. Longtemps, longtemps. Nouvelle Ajax Fête des Fleurs. Nettoie pour de bon et parfume encore plus longtemps. La communauté française Wallonie-Bruxelles fait la fête le samedi 28 septembre à La Louvière. Rendez-vous dès 10h pour découvrir les animations pour tous et assister à 20h30 à l'opéra urbain Décrocher la Lune, le bouquet final. Info 064 26 15 00. Tous à La Louvière le 28 septembre. Avec une véranda Willens, vous profitez chaque jour de la vie et de la nature dans un style tout à fait adapté à votre personnalité et à votre budget. Il vous faut plus de soleil, de lumière ou d'espace dans votre vie? C'est tout à fait possible avec une extension verrière Willens et sans travaux de construction longs et coûteux, soit pour le privé ou pour votre entreprise Horeca. Mais une véranda, c'est surtout une vie agréable, recevoir de la famille ou des amis. Quel que soit votre style préféré, une véranda, c'est toujours un peu la fête. Visitez les Vérandas Willems ou demandez une visite sans engagement d'un représentant au 055 21 85 31 ou visitez notre website.